et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle série, bienvenue pour du Subnautica. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle série, voilà une série que je voulais faire depuis bien longtemps, Subnautica. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est extrêmement simple, c'est un survival qui se passe dans un monde alien, dans un univers aquatique notamment, que je trouve absolument exceptionnel de par son ambiance. Et de par son gameplay de manière générale, voilà, on y part directement en survie classique. À savoir que je l'ai déjà fait il y a de cela 3-4 années, je ne me rappelle plus de tout. Je sais que j'avais passé certains moments très difficiles de par son ambiance. On lance directement la cinématique. Ces 5 heures. Oui. Ok. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ok. Paf paf paf, ça, ok. Kit de survie, tout ça. On verra tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Alors, je vais juste faire une petite modification, c'est au niveau des touches. C'est vrai que je n'ai pas bougé les touches, mais c'est Z. Reculer, avancer, balabalaba, balabalaba. Déplacement à gauche. Ok, tac, 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 tac. Ok, très bien. Donc, vraiment sale état, hein. Voilà. Ah là, nous y voilà. Aïe 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 aïe, c'est stylé. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ok, bon. Retournons dans ces eaux. Aïe aïe aïe, c'est stylé. Ok, des morceaux de calcaire. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Ok. Je ne peux pas aller plus vite qu'un poisson, malheureusement. Et ça me fait tellement... Ça me rappelle tellement de souvenirs. Non, le poisson. Oui. J'ai le poisson. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Oh non, oui. Je crois me rappeler. Ah ah. Très bien. Des débris métalliques. Ça va me revenir assez rapidement, je vous préviens, le jeu. Au secours. Je suis déjà agressé par des requins. Ok, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh, il y avait de ça déjà? Je m'en rappelle plus. Je pensais pas que c'était aussi proche. C'est pas grave. Ok. Donc, nous allons continuer un petit peu à explorer. À essayer de fouiller un petit peu les différentes parois. À trouver quelques ressources pour le début, déjà, ce serait bien. Putain, oui, c'est vrai que l'oxygène. Au secours. Yeah.
Je vais pas crever. Putain. faut que je fasse gaffe, j'ai 30 secondes d'oxygène. Et voilà. Et donc voilà, c'est ça, Subnautica, globalement, pour le moment. Savoir qu'évidemment, il y a une trame narrative que nous allons faire tout le long du jeu. Du titane, du cuivre, du quartz. Du quartz. J'ai plus beaucoup d'oxygène, donc faut que je fasse gaffe. Remontons. Ah. Ok. Je joue un petit peu avec le feu. Le PDA, c'est table, c'est ça. Alors, ok. Donc les débris métalliques, tout ça. Un Gary Fish. Allons-y, remontons là-dedans. Ok. Tac. Donc. Ça, oui, ça, on les a déjà eu. Putain, au secours. Je vais y arriver. Hein. Récréateur de kits médicaux. Ok. Donc les kits médicaux étaient rouges, mais ce n'est pas grave. Ok, oui, donc on peut convertir du titane. Faire du verre, faire des fils de cuivre. On va bouffer le Gary Fish, bien sûr. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Ah oui, alors c'est vrai. Ah oui, ça je m'en rappelle. Il me semble qu'ils ont modifié certaines features. C'est ça. Voilà. En fait, globalement, alors pour ceux qui ont déjà joué à Subnautica, comme moi, il y a de cela quelques années, ils ont mis à jour le jeu. Et ils ont ajouté des features du 2 pour les mettre en place dans le premier, notamment par exemple. Bon, déjà, ça c'est bien, il faudra qu'on crève. Et notamment pour vous donner un exemple extrêmement simple, c'est que on peut épingler les recettes, ce qu'on pouvait pas avant. Donc c'est pour ça, pour certains, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai ça, c'est pour cette raison là. Ok, fusée éclairante de la flotte, très bien, très bien. Alors, il faudra tout réparer. Ce serait bien. Ceci. Outil de réparation. Soufre, caoutchouc en silicone. Tac, 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 caoutchouc en silicone. Sauf que pour faire du caoutchouc en silicone... Ah, il faut de la graine de vigne dorée. Très bien, très bien. Allons-y. Alors, on va juste... tout balancer là-dedans. Allons-y. Hop là. Ça aussi, il faut l'ouvrir. Très bien. Les graines de vigne. Je ne dis pas de conneries. Alors, on va prendre un peu de titane aussi. Bon, maintenant, sachant qu'on a un peu plus d'oxygène, ça sera sans doute un peu plus appréciable. Un peu de sel. Ça pourra servir à purifier de la flotte. Non, mais ce vigne. Il y a beaucoup de requins, mais il y a les graines de vigne dorée qui sont juste là. Et justement, j'en serais très intéressé. Je serais très intéressé d'en acquérir quelques-unes. On va se dire un maximum. Je ne peux pas. Donc, 30 secondes, ça va encore. J'arrive pas à en choper beaucoup. Je peux en choper plus. Pas pourtant. Ah voilà. Ok. On va remonter. Il reste 12 secondes d'oxygène. Ok. Voilà. Donc pour le moment, on est là. On va réparer tout ça. Et ensuite, on verra ce qu'on ira faire. On va voir s'il n'y a pas un poisson un peu naïf. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Ok,
ça, si j'ai pas de conneries, c'est de la flotte. Il me semble d'ailleurs justement que un des trucs intéressants, c'est qu'on voit cette barre là qu'on voit en bas, on la voit sur la bouffe maintenant pour la décomposition, et c'est assez intéressant il me semble. Alors, du silicone. On va faire deux, on va faire un peu de lube. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ok. Donc, ceci étant dit, alors nous pouvons faire quoi? Un couteau. Très bonne chose. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Ok. Je pourrais faire encore plus de couteaux, mais ça ne servira à rien. Des palmes, très bonne nouvelle. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Alors j'utilise un maximum de nos graines parce que ça prend beaucoup de place dans l'inventaire. Ok, alors il faut du soufre de case, de cave, pardon. Les piles, champignons acides, minerai de cuivre, très bien. Ok, donc va falloir passer un peu en bas. Tac 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 tac. On va un coup. Je vais y arriver avec les touches. Voilà, donc là nous avons un peu plus de flotte. Une lampe, ça me... Ok, alors une lampe, ce serait bien parce que ça a beau être coloré et tout, j'y vois pas beaucoup. J'y vois même que dalle. Voilà. Alors, ça avec du cuivre, bien évidemment. Oh, je vais y arriver. La touche échappe. J'ai toujours le réflexe d'y appuyer. C'est une catastrophe. Prenons donc une pile. Ok. Débloquer les batteries de haute capacité. Très bien. Pour faire une lampe torche, il faudrait du verre. Faudrait que je fasse au moins... Je vais faire deux piles en plus. Donc, il va me falloir 4 champignons supplémentaires. Voilà. Ça fait tellement bizarre de retourner sur ce jeu. C'est trop bien. Voilà. Deux piles. Trois piles. Bon, ceci est notre cuivre de consommer. Alors, on va prendre un peu de tout ça. Ok. Alors, je peux faire un scanner, très bonne chose. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data, detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Augmentation du niveau de radiation. Quelle bonne nouvelle. Ou non. Ah, la lampe, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait autre chose à faire? Constructeur d'habitat, c'est peut-être un peu tôt. Oh, je trouve du soufre. Du soufre de... du soufre de cave. Voilà. Donc, allons-y. Commençons à explorer doucement. De quoi toi? Viens là, bestiole au nom imprononçable. Voilà. J'avoue que c'est... C'est sombre. Hein. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Du plomb, de l'argent,
De l'or. Il va falloir que j'accélère un peu le pas. Ok. Ne se passe pas même. J'avoue que l'oxygène est vraiment limité encore. Je peux scanner. J'aurais pu. Je l'ai pas fait parce que je suis un gland. Je peux. Voilà, je vais y arriver. Un peu de cuivre, c'est très bien. Un peu de quartz. J'admets que le quartz, on n'en a pas des masses. Je viens d'en bouffer. J'ai bouffé les deux que j'avais pour faire la lampe. Très bien. On est très très bien pour le moment. Enfin, très bien. Hormis qu'on est dans de la flotte avec notre Aurora qui est en train de cramer. De là, on dirait qu'il est petit en fait. Parce que ici, on dirait un effet d'optique. On dirait qu'il a 5 mètres de moins et qu'il fait genre 70 cm. Mais non, 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 c'est quand même un gros bestiau. Ok. Commence à faire jour. Faut scanner. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. J'admets que j'ai toujours pas chopé ce que je voulais. Vers du soufre de cave. Ouais, c'est bien là-dedans. Je sais pas si on peut les éviter, ces saloperies. Bon. Si étant dit... Voilà du soufre. Ok. Ok, ok. Le pochon. Voilà, merci le pochon. Le boomerang. Un Gary Fish. Ok, voilà. Là-bas, il y a un petit... point. Un peu là. Alors. Mangeons. Non. Merde, j'ai pris le pochon. C'est cuit le pochon. Je voulais faire de la flotte avec le pochon. Donc là, si j'ai pas de conneries... Ouais, c'est ça, maintenant t'as les barres avec la bouffe. Bon, ça nourrit, hein. Ça nourrit un minimum, c'est déjà ça. Donc, maintenant, ceci étant dit... je pourrais faire des fusées. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Par contre, je peux faire... Mais il faut du caoutchouc en silicone. Caoutchouc en silicone, on en a là. Hop là. Hop, outil de réparation. Très bonne chose. Voilà. Donc maintenant, on répare ça. Lightpod secondary systems online. Ah. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. Très bien. On va pouvoir réparer la radio. Et pour le moment, ceci est bon. Ok, donc... qu'est-ce que j'ai gagné? Donc ça, ce sont tous les crafts. Beaucoup de crafts... dans une grande partie, j'en ai encore pas l'utilité.
Ça, tout ça, ça, ce sont tous les textes qu'elle m'a déjà donnés. Données géologiques. Ces structures géologiques inhabituelles se forment souvent autour des dépôts de... Ah oui, ces affleurements de calcaire. Ok, tout... je vous laisse la possibilité de lire, hein, si vous le souhaitez. Hop là, j'avance vite fait. Les shuttlebugs, un charognard sensiblement ordinaire situé à la base de la chaîne alimentaire, système buccal trop petit pour constituer une menace pour la plupart des organismes. Cette créature est clairement plus apte à se nourrir de détritus pris par l'écosystème qui l'entoure. D'accord, donc effectivement c'est un charognard. Trois jambes, trois mandibules, c'est vraiment bizarre comme bestiole. Le boomerang, ouais. Donc pareil, je vous laisse lire. Nageoire jumelle, analyse comestible, guérifiche, herbivore lent et curieux, son camouflage suppose qu'il est s'est adapté en adoptant un comportement évasif sur le fond de l'océan. Et le pochon, herbivore vestige semi-perméable, pochon capable de filtrer l'air et l'eau de mer, sa cavité corporelle. Et c'est ce que nous utilisons pour nous substanter en termes de flotte. Ok. Donc... Ok. Merde. Je vais y arriver avec la touche échappe. Donc ceci, radio. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ok, bon. C'est d'une positivité incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce qu'on a comme matériel? Quel matériel je pourrais faire de manière générale? Poche d'air, tac 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 tac. J'avoue que... Ah, mais c'est vrai que j'ai un minerai d'argent. Important, c'est vrai que j'en ai trouvé un. Alors c'était quoi? C'était minerai d'argent. Silicone? Non, c'est du verre. Ok. Vert, je peux en faire un peu là. Très bien. Ensuite, ça, on va le dégager de nous. Tac, tac, tac. Et voilà. Nous avons 135 secondes d'oxygène d'alloué. C'est une très bonne chose. Ça, je peux le vider. Ok. Maintenant, voyons voir ce qu'on pourrait faire. Recycleur. Kit de câblage. Et quoi donc? Maille de fibre. Maille de fibre. Attendez, oui. Alors, je crois me rappeler d'un truc. Je vais faire de la javel. Ok. Même puisqu'on a récupéré du sel, donc deux minerais, et si je ne dis pas de conneries, le deuxième, on va nécessiter notre couteau et une vigne d'or. Hein. Très bien. Je ne pourrais pas le scanner tranquillement. Ah. Non, 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 je te scanne. On va le lasser, hein. Ou je vais mourir de... d'étouffement. Il a défoncé un poisson, très bien. Est-ce que si j'ai mon couteau... J'ai vraiment rangé mon couteau comme un mongol. Comme un mongolo. Prononce poisson, un pepper gazé. Bon, on peut le manger même, hein, tu sais quoi. Hop là. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and donc, internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Ok, le couteau. Le couteau, le couteau. Ça va toi? Voilà, j'ai récupéré des capsules de gaz. Être recyclé, très bien.
Si je ne dis pas de conneries. Alors, les vignes d'Orin. On peut les exploiter. Ou je peux les manger, mais bon. Les manger serait... stupide. Par contre, ça pourrit vite. Hein. Oh, au secours. Est-ce que si ça, je la dépose, elle pète? Elle pète. Oh, ça peut être un bon moyen de défense, ça. C'est un bon moyen de défense contre toute bestiole. Ok, si c'est bien ça, maille de fibre. Ok, pas mal. Alors je pourrais faire ça, mais moi ce que je veux, c'est avec de l'argent. On va le manger. Parce qu'il est en train de pouvoir le bousin. Voilà, ça me donne deux de bouffe. Ok, maintenant. Allons chercher de l'argent, notamment. Enfin, notamment. On cherchait tout ce qu'on trouve. Alors, je peux scanner ceci. Ou scannons. On va tout scanner, hein. Ok, c'est ça qui va me donner de quoi faire la javel. Bonne nouvelle. Et du sel. Fragment de baie à véhicule mobile. Très bien. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Ok. Fragment de Seaglide. Ah, ok. Fragment de Seaglide numérisé, progression 50% 1 sur 2. Un peu de sel. Oh, c'est tellement stylé ce jeu. Oh. Oh, je suis amoureux de ce jeu. C'est vraiment un jeu qui est kiffant jusqu'au bout. Vraiment, c'est... J'ai, bizarre parce que j'ai deux musiques qui se superposent un peu. Alors. Alors je sais que ça fait penser, on va c'est un peu c'est, on est vraiment dans un jeu, dans deux jeux dans le même style avec Satisfactory. Oula. Lui a l'air un poil plus agressif. Augmente B à véhicule mobile. Ah ah. Alors, heureusement, il y a un truc qui n'est pas pris dans le jeu. Et heureusement, sachez que j'ai la phobie, mais une vraie phobie, des méduses. Voilà. C'est pour l'anecdote, c'est véridique. Je déteste les méduses, au plus haut point. C'est une hérésie qui, pour moi, ne devrait jamais exister. Heureusement, dans le jeu, il n'y en a pas. Je sais qu'il y a des énormes trucs qui me résonnent dans les oreilles depuis tout à l'heure. Mais qui ont de la gentillesse d'être au moins passés. Est-ce que je suis vraiment là où je pense? Show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. C'est bien ce qui me semble. Une grotte. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Ok. Titane. Donc là, on est quand même dans une région bien différente de celle que... de celle habituelle. Enfin, de celle de départ, mais c'est normal.
Quand même quelques souvenirs du jeu. Quelques brides de souvenirs. Il me semble que justement... Alors, c'est malheureusement pas dans ces cailloux-là que je vais trouver de l'argent. C'est dans ça en grès. Ce qui est une certitude. Ouais, là, regardez ça. C'est tellement énorme, ces bestioles. Il n'y a tellement rien dans ce jeu. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'on a quand même 135 d'oxygène. Oh, my! Une capsule. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Malgré les potentielles menaces environnantes. Fragment de Simos. Très bien. Ça, c'est très intéressant. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Ok. Integrating new PDA data. Y'a rien d'autre à scanner dans le coin. Saloperie qui veut me bouffer le cul. Ça là, typical, là-dedans, voilà. Il peut y avoir de l'argent. Du plomb. Du plomb. Il y a beaucoup de plomb. Coucou toi. Oui, il fait quand même nuit. Hein. Il fait quand même bien nuit. De l'or, mais au secours. Je veux pas de l'or, moi. Ah, la radio a indiqué quelque chose. Donc il serait peut-être temps de revenir à la base, mais je n'ai pas mes deux... Je n'ai pas mes deux argents. Il reste 40 secondes d'oxygène et je suis loin d'être un professionnel en natation actuellement. Oh, oh les bruits. Enfin... Ah si, je viens de me rappeler de quelque chose qui ne me fait pas plaisir, mais ce n'est pas grave. Je ne vais rien dire. Vous verrez par vous-même. Je disais que je n'aimais pas les méduses, mais ce n'est pas grave. Je pense que ceux qui connaissent le jeu comprendront pourquoi je réagis comme ça. En partie dans la crainte, d'ailleurs. D'épave. J'avoue que c'est quand même pas très secure. Hein. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ouais, on va pas trop rester. Oh. Oh les bruits que ça fait. Un d'argent c'est cool, mais là je vois qu'il y a encore du grès et tout. Donc on va le choper. Ok. C'est tellement stylé ces bestioles. On se sent tellement petit à côté. Mais en même temps on l'est. Hein. Voilà. Laisse-moi te scanner petite bestiole. Ce n'est pas douloureux. C'est juste que tu es quand même... Alors, j'allais dire une beauté de la nature, mais tout est relatif, hein, d'une certaine manière peut-être, mais... Ah, on a trois, mais au secours, elles me font un bruit dans les oreilles. Je vous jure, quand, si vous jouez un jour à Subnautica, je vois que l'oxygène va commencer à manquer, donc on va... T'as de la chance, toi, je ne te mangerai pas. C'est un jour où je joue à Subnautica, putain, il était à 300 mètres. Jouer avec un casque. Et dans le meilleur des cas, jouer avec un casque et dans la nuit. Ça, c'est pour le côté maso. Tellement stylé. Hop là. À flambant de grès.
Un peu d'or, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas scanné les graines. On a le même. Ok. Ok, ok, allons-y. Je crois que je vais me faire un festin là en rentrant. Voilà. Donc tout ceci, c'est bien beau, mais alors... Un paper cuit, c'est une bonne chose. Un overfish cuit, c'est une bonne chose. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Ah, les fameuses épices locales. Alors... Je me mets que là... Mangez jamais les antennes. Bon. J'en ai pris beaucoup, j'admets. Bon, écoutez. Allez. Hop. J'ai bien mangé. Tout ce que j'ai à dire. On a débloqué pas mal de trucs. Notamment... Alors, on va faire le dernier truc que je voulais faire pour cet épisode, notamment. Hop là. Hop là. Et hop là. Le recycleur. Voilà. Donc là, normalement, je n'ai pas de conneries. Nous avons... absorbe. Voilà, très bien. Ça nous permettra de plonger de manière plus profonde, plus longtemps. Et ce sera très bien. Et bien sûr, ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez-y.